Aujourd'hui, chanson du lundi et c'est Noël. L'avez-vous déjà vu dans le ciel avec ses joujoux parmi le bon petit papa Noël, spécialiste des cheminées. Quand j'étais petit, je l'aimais bien, je croyais qu'il aimait les gamins. Je restais sage et plein d'entrain, attendant le 25 au matin. Il faisait rêver les enfants dans le catalogue de jouets club, dans les rayons des commerçants, pour que la consommation pleure. Passé ma jeunesse bien naïve, j'ai enfin pu comprendre son jeu, que le Père Noël fait que la thune n'appartient pas à qui il le veut. Le Père Noël traîne sa bedaine pour pensionner tous les enfants de l'argent de poche de leurs parents qui boivent leur Coca-Cola. Le Père Noël fait sa tournée pour que les pauvres soient opulents, mais ça ne durera qu'une journée. Quelques 300 jours restant pour les enfants, c'est habituel. Les lutins, eux, s'y casquent dans un zoophile. Et quelques reines, un pédophile, s'introduisant par la cheminée en bas de laine, parce qu'il aime aussi les parents. Dociles de leur argent, ce vide crédit à la consommation. Pour les uns, la bourse les vide, pour les autres, l'orgie de pognon. Papa Noël en dette les gens, voulant faire plaisir aux tout d'eux, faisant des prêts 25% pour que la joie les touche un peu. Mais quand l'huissier fait son office, Papa Noël y est déjà parti. Les cadeaux c'est son bénéfice et ta misère est son profit. Papa Noël va à la cheminée, la prochaine fois j'y fous le feu. Passerait le réveillon libéré de ce commercial qui me casse les œufs. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine chanson du lundi.